Si y a le troll, Lucas, on le retente. Là où je suis, j'ai un troll. Ah putain, t'es ouf. Tu es exactement à l'opposé de moi. Eh ben, va chier. Ah, bravo. Et j'ai des trucs de cerf. Ah ouais. Aïe. Salut Urza. J'ai looté un truc de cerf. Alors oui et non, tu regardes ici. Est-ce que là c'est joli? Ouais, tu vois. Mais regarde, on voit la roche. La roche ici elle est dégueu. Mais le gros plan il est beau. C'est dégueu beau. Ouais, Urza, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Est-ce que t'as lu le titre, Urzael? Sur le troll. Je cherche du cerf aussi, mais je n'en trouve pas pour l'instant. Moi j'ai une biche, écoutez. Bah c'est bien ce que je disais. C'est dégueu beau. Ok. Putain, le save server par contre, si on entre, pendant qu'on est en train de fight un troll, ça pourrait être très chiant ça. Je suis en train de bloquer la biche là. Allez. Bam. Ok. Je vais jamais lire le titre, hein. C'est dommage. Ajouter pot de serre, viande crue. Hein. Bon, les pots de serre, en vrai, même si on tue des biches, c'est toujours bien les pots de serre. Hein. Ça fait quand même du bon stuff en cuir. C'est quand même toujours bon à prendre. Ouais, un peu. C'est pas mal, notre toolkit. J'aime bien l'idée. Minecraft de près, Valhalla de loin. C'est un peu ça. Et ça tourne sur Unity en plus, Urzael. Et tu sais à quel point j'aime bien soutenir tout ce qui est sur. Toutes les productions sur Unity. Hein. Ah, une biche. Est-ce que ton truc de cerf, tu l'as sur un cerf ou ça marche aussi sur une biche? Je me dis que c'est... Je t'avoue, je sais pas. Est-ce qu'il avait les cornes quand tu l'as buté? J'ai pas payé. D'accord. J'en connais un qui raide des gens à minuit quand le titre s'est écrit qu'elle finissait à minuit. Enfoiré. C'est pas faux. Écoute, je raide des gens. J'ai pas mal. Putain, là, j'ai regrette les deux trophées de cerf qu'on a utilisés pour invoquer l'autre. Je suis tristesse. Alors. Bon bah j'arrive vers toi là Zélo, je descends, je vais tout droit. Je vais tenter un backstab déjà. Oh putain, il va se faire éclater. Après je cours, et comme les PV ils sont pas reset. Ouais, il y a un gros flou ici, il y a un gros flou. Ouais. Mais tant mieux parce que le jeu est trop mal outil. S'il y avait pas sans ce flou, on pourrait pas jouer. Oublie pas, hein, c'est une early access, early, le jeu a une semaine. Hein. Et pour le coup c'est ultra prend pour une early access. Je l'ai fait vachement mal. Hein. Ah ouais, vraiment? Ok. Je lui ai mis 30% HP avec le backstab. Putain, pas mal. Alors j'arrive mais à mon rythme, hein. Je vais directement vers toi, mais bon. Ok, t'as le boss de l'aîné. Qu'est-ce qu'il faut comme trophée, Ada? C'est quoi la statue, hein? Après, est-ce que c'est une bonne idée? L'indice dit cailloux. Brûler leur progéniture. Et c'est quoi la statue? Faut qu'on crame quoi? En tout cas, le studio se met bien... Ah bah, non mais... C'est un seul mec, initialement, Easy, qui l'a créé à 70% et ensuite il a été rejoint par 4 autres personnes. Donc c'est un studio de 5 personnes, suédois. Autant te dire que... oui, là, ils ont dépassé le million au bout de 3 jours. Alors, non mais Triwin... Ah putain. En vrai, ça va, Ice, je peux me le faire tout seul. T'es sûr? Ok. Après, je viens quand même vers toi pour le truc de serre, hein, je t'avoue. Ah! Oh non, la biche, elle m'a vu, putain. Non! J'ai pas l'impression qu'on puisse en choper sur les biches. Bon, bah, à mon avis, c'est. Oui, ça serait logique que ce soit laissé. Je veux pas de backseat, Izzy. Quand je demandais, c'était pour Adarlex parce qu'il est avec nous, tu vois. On découvre en fait comme un groupe, ensemble. Laissez-nous découvrir, tu vois. Yes. Et bonsoir néanmoins à toi, Triwin, mais bon sang de bonsoir, laissez-nous découvrir, quoi. Bonsoir l'enflammé, qualité max. Le jeu est actuellement en qualité max. Je crois pas que je puisse améliorer quoi que ce soit, attends, je vérifie. Après, voilà. Ah, c'est le niveau de détail, si je peux encore améliorer ça, j'avais pas vu. Non, rien du tout. C'est juste qu'en fait, oui, c'est une question Triwin, mais pour les gens, toi, qui sont avec moi. Parce qu'on est plusieurs. Et pas que dans ma tête. Ah, mais attends, graphique, je peux mettre en. Attends, je vais bloquer en 60 pour le coup. Je vais bloquer en 60 parce que le jeu est trop instable en. Hop là. Je sais pas de quoi tu parles, Natuki, je suis désolé. Je sais pas ce que c'est, H.io. Nat en centre. Ah, mais Nat, elle est dégoûtée, hein. Elle s'est éclatée aujourd'hui. Hein. Je crois jamais. Depuis que je la connais, je crois que je l'ai jamais vue aussi à fond sur un jeu. T'as un troll juste à côté de toi, Ada? Ah, oui, mais t'es un peu loin, toi, Ada. Toi, t'es. Il a repéré ce con. Oh là. Ah mais t'es toujours en train de te faire tourner en fufu, je suis toujours en train de venir voir toi ce petit Lucas. Hein. Oh putain, oh, oui, j'ai un cerf devant.
J'ai vu des cerfs, je crois. Le temps qu'il arrive, il sera toujours en vie. Bah, en fait, j'essaye de me barrer, d'y retourner en fufu, et voilà. Ouais, je vois l'idée, je vois l'idée. Et du coup, c'est long, quoi. Putain, attends, il y avait un cerf. Long. Ok, je le vois toujours, je le vois toujours. Non, stop courir. Putain. Il est où? Ok, je le vois toujours. Arrête-toi. C'est bon, il s'est arrêté. Ok. Allez, faut qu'il y ait un trophée là-dessus. Hein. Non, là, j'aime jouer à Minecraft. Après, l'avantage là, c'est que je pense que l'univers un peu mi-viking est quand même assez joli, il paiera plus que Minecraft. Parce que Minecraft, l'avantage c'est que le survie, toi, ici, est plus simple que dans Minecraft. Il y a beaucoup d'espèces sandbox, justement, qui sont beaucoup plus accessibles. Allez. Bam! Oh putain, je l'ai pas one shot. Oh! Milis. Ok. Il se barre. Ah, c'est un cerf élite. Ok, lui, il a forcément un trophée, lui. Oui, je sais bien, Izzy, hein, mais même. Attends, il revient. Voilà, il revient à toute vitesse. Putain. Encore une fois, Gaek, est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Pas de jaloux comme ça. Est-ce que tu m'as demandé, Gaek, s'il te plaît, peux-tu m'aider pour la chasse? Est-ce que tu m'as vu dire ça? Mais je sais pas, pourquoi tu me parles de ça, Natuki, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Le flou proche, tu peux l'enlever, hein, Kamset. Enfin, moi, depuis que j'ai enlevé motion blur, c'est beaucoup plus net, quand même, le jeu. Hein. Ok, je le vois là-bas. Il revient. Putain, enfoiré, il a. Est-ce que la souche, elle me cache? Oui, non. Arrête. Oh là là. Si seulement j'avais un arc, putain. Ah ouais, mais bon, écoute, il m'en faut 5. Eh, mais t'as pas vu ici? Est-ce que tu sais pourquoi je cherche les cerfs? Parce que t'étais là. Je vais avoir un putain de marteau à deux mains énorme. Et Renat, on pense beaucoup à toi dans le chat, aussi bien dans le chat que dans le jeu. Ok, il est devant. Le campement va bien. Là, on explore, on fait... Allez, attention. Yes! Allez, est-ce qu'il y a un trophée? Et... Oui! Ah non, pot de serre. Ah non. Attends, pot de serre. Putain, okay, j'ai pas... Je viens d'avoir un trophée sur une biche. Donc on peut en avoir sur les biches aussi. Ok, c'est bon à savoir, merci. Très bonne information. Bon, moi par contre, alors clairement le serre élite a full looté. Mais pas de trophée. J'ai eu genre 4 pots ou 5 pots. Mais effectivement, pas de trophée. Triste. Ah! Autre biche. Ok. Il est pas impossible que je me coupe après le boulot pour finir la cabane à coffre. La meuf, je rappelle, finit à minuit. Hein. L'addiction est réelle. Attends, elle est passée où la biche? J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a encore jamais rentré pour le boss, ça marche. Plus ça tombe bien, Triwi m'a dit non tout à l'heure, mais comme j'ai lu qu'en diagonale, j'en rappelle plus, ça tombe bien. Non, elle va me voir. Oh là là. Oh, cette furtivité, chers amis. Cette furtivité. Ok. Allez. Oh putain. Il est en train de se soigner, le troll, là, j'arrive toujours plus à le taper. T'es toujours sur ton troll? Il arrête pas de bouger. Oui, non, mais j'essaie de le tuer en fufu et il arrête pas de bouger, ce con. Ok. Moi, je vais éclater la biche. Pot de serre, viande crue. Bon, en tout cas, je nous ramène full barbecue, hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, trophée de serre, ouais. Ok, j'en ai eu un aussi. Je confirme, trophée de serre, effectivement. Bon, ouais, en fait, en gros, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un serre, on l'éclate, quoi.
Donc t'en as combien pour l'instant? Il y en a un en coffre et j'en ai un sur moi. Donc deux. Lucas, t'en as un, c'est ça? Et moi j'en ai un aussi. Ok, donc, j'en ai un, ouais. Il en manque un encore. J'ai mis avec le troll. J'arrive, Lucas, toujours, hein, je viens toujours vers toi. J'arrive aussi. Il est midlife. Ah oui, ok, ouais. Anonymous est près de toi. Attends, moi je vais mettre le buff, comme ça je te rejoins rapidement. Ah, excusez-moi, j'ai une autre biche devant. Une autre biche est présente. En plus, c'est un cerf, je crois pas une biche. Oh putain, il y en a deux devant. Oh là là. Ok, il y en a deux devant. Oh, attends, faut que je remette de la bouffe. Fais gaffe, il t'a vu. Ah ouais. Je suis trop loin, les gars. Ça va aller? Faites pas. Je mets un coup. Ok, oh, stagger. Il aime pas du tout ce. Mon attaque spéciale. Ah, t'as une attaque spéciale avec ta grosse arme? Oui, je fais un petit tourbillon. Mais trop stylé. J'ai une attaque spéciale aussi. Ah bah c'est ton backstab toi, non, je suppose? C'est pas vraiment backstab, moi, c'est l'attaque secrète. Voilà. On est d'accord que je vais devoir aussi sortir du camp pour upgrade. Ça dépend ce que tu veux upgrade en fait, Nat. Pour le coup, pas forcément. Mais oui, il faudrait que tu montes tes compétences. Mais encore une fois, ça dépend ce que tu veux faire. Attends, deux secondes. Combien? J'ai eu 5 pots, ouais, c'est pas mal. Oh yes, je l'ai one shot. Serre élite, one shot. C'est entre 60 et 70 dans le dos. Pot de serre. En fait, il faut... en gros, Nat, on se spécialise tous dans certains trucs. Et il faudra qu'on... En gros, tu vois, Nat, attends, maintenant que t'es là. Tu vois, si tu vas ici, Nat, ok? C'est ça, pour les compétences. Moi, par exemple, je monte pas toutes les compétences. Exemple, tu vois, les compétences arc et couteau ou lance, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de monter ce que je joue vraiment. Hache, couper du bois, la pioche. Et bon, après, sans armes et couilles, etc., tu vois. Bon, encore 3 trolls et j'ai mon stuff. Ah ouais? Ouais. Pourquoi il y a full pot, c'est ça, quand vous... C'est 5 par troll, j'ai l'impression. D'accord. Et donc... Donc si tu veux faire que la fabrication, Nat, en vrai, pas forcément quoi. Il y a pas marteau dans les compétences, tu es... Oui, mais parce que, easy, les compétences, tu débloques quand t'as l'arme. Donc peut-être que j'ai bloqué une nouvelle compétence, justement, en ayant l'arme... en ayant le marteau. Coucou, Zarok. Tiens, je suis là, si vous pouvez me filer vos trophées. Pour le favor. Alors, tac, trophée... Je veux pouvoir défendre le camp. Et bah, dans ce cas-là, il faudrait que tu trouves une arme qui te plaît. Il est là. Je le vois pas. T'as vu? Non. T'as dû le ramasser, il doit être sur toi maintenant. Attends, je pute la bestiole. Oui, j'ai deux trophées, ok. Toi, t'en as un sur toi, c'est ça? Ouais, j'arrive. Attends. Et là, normalement, il restait du... Il restait du cuivre ici. Tiens. Ouais, j'en ai trois. Il y en a un en coffre, ok. Plus que un trophée. Et j'ai le marteau de main, une clé mort. Alors il y a des épées pour le coup, Nat. T'as pas de clé mort, mais t'as des épées. Et on pourrait te faire une épée, ça, effectivement, ça sans problème. Mais tu vois, typiquement, là, ce que je peux te conseiller là, pour le coup, si tu veux t'as ton épée, ce qu'il te faut, c'est des minerais. Ok? Et donc, il te faudra donc une pioche. Ça, la pioche, je pourrais te filer l'ancienne parce qu'on prend une pioche en bronze après. Je te filerai la pioche de bois de serre. Il y a des matériaux pour créer des pioches. C'est ça, voilà. Donc on pourra te faire une pioche. Et justement, tu pourrais farmer comme une grande pour ta clé mort. Enfin, pour ton épée pour le coup. Ah, on est dans la forêt noire là. On est dans la forêt noire, ouais. Bah, peut-être qu'écoute, il y a des biches. Hein. Squelette. Ah oui, dire. Attends, forêt noire, direct, il y a un squelette qui arrive. Hein. Délire. Bref, saloperie. Et là, pour Lucas, moi je lui garde les fragments d'os et les peaux de troll, ce qu'il va en avoir besoin. Oh, j'ai trouvé une mine ici. Encore un donjon. Ah ouais, bien vu. Bon, on peut aller voir vite fait, écoute. Hein. Gaffe. Vu. Déjà je suis mort. Ouh. Putain. Oh non, ok, c'est un élite niveau 2. Ouais. Ah, je suis heureux là. Ah là, je suis joie là. C'est l'archer qui fait super mal. Ah, ouais, je me suis fait détruire. Après, j'avais pas assez de bouffe, c'est tout sur moi. Mais t'es mort. Ouais, et j'ai la main tous les trucs importants, sinon c'est pas drôle. Bah ouais, que je cherche le stuff, là j'ai pas le choix. Hein. Alors, à quel point je suis loin? Loin, ok. C'est parti. Faut vraiment qu'on commence à faire des TP. On peut faire les TP, ça les portails de... Ouais, on peut faire des portails. Clairement. Coucou Ezekiel, il dépeuple le stuff. Non, c'est comme Dark Souls en fait. Enfin, comme Dark Souls. Je sais pas, visiblement il reste après plusieurs morts, mais... En gros, tu vois, tout mon stuff est donc là sur mon cadavre. Et coucou les dichions. Oh merde. Oh non, mais non, je suis... Putain. Je me fais attaquer par un putain de sanglier. Par contre, les élites, ils te lâchent pas, hein. Et moi j'ai un sanglier qui... Oh là là, mais il y a full mob. Putain. Oh, merde. Attends, je me suis dit désolé Dedos, j'ai pas eu que t'étais là. T'inquiète. Non mais on peut se le prendre à deux au pire. Ouais. Si je sais pas combien de...
je sais pas combien de vie à Varys, mais il est là au-dessus. Je ne sais pas. T'es fait one shot, ou J'étais pas en... Oui, mais alors, oui, je me suis one shot, mais j'étais que à 30 vies max de base. Ok, 26 la flèche qui m'a mis. Ok, je vais stagger là, fais gaffe, il est plus stagger. Je récupère. Il me regarde là, il me regarde. Je suis derrière un poteau. Je sais pas où tu. Allez. Des portos. Mais donc, ouais, Nat, en gros, t'es pas obligé de bien gérer le combat, tu vois. Chacun son rôle. Toi, par exemple, je déteste la fabrication. J'arrive pas à viser, ça m'emmerde. Enfin, ça m'intéresse pas la fabrication. Ouais. Clairement. Ok. Donc, il a rien goûté. Tu vois, peut-être que toi, toi, t'as mis la fabrication, donc c'est brave de se spécialiser. Tu vois, je montrerai pas du tout, moi, tout ce qui est fabrication avec le marteau et tout. J'en ai absolument rien à foutre. Je vais rentrer à la base et je vais faire un TP à la base déjà. Après, pouvoir défendre le camp, ça serait bien, effectivement, que t'aies une épée. Et on fera une pioche en bronze, on se passera quand quelqu'un voudra aller farmer, il prendra la pioche en bronze, et puis voilà, et sinon il la laissera dans un coffre, quoi. Qu'on pourra en faire plusieurs, on en fera plusieurs en attendant. Moi j'ai peur qu'il fasse nuit avant d'arriver à mon cadavre, en fait. Plus que 3 trolls. Tiens, attends, avant je vais mettre un marqueur dessus, hop là. Je croise les doigts de pas me noyer. Donc là, il y a Azelos qui ferme son stuff sneaky, moi, mon marteau, et Moon, en fait, Moon, il a déjà son arme, en vrai, donc il nous aide. Moon, il soutient. Moon, c'est le soutien moral. Putain, je pense avoir un nouveau Lada, là, c'est terrible, ça. Une fois qu'on sait faire des TP, on peut aller à 1 ou 2 de l'autre côté, yes. Ok, je suis bien. Toi, mon cadavre... Ah, je vois un Moon poursuivre une bichette. J'ai plus de stam. De toutes ses forces, il la poursuit, mais tout se passe pas comme prévu. La bichette est en train de remporter la course. Il fait de plus en plus nu là, je suis pas dingue hein. Non, non, il fait bien nu. Oh putain de merde. Je suis bientôt mon cadavre. Normalement, il y a plus l'élite en haut. Donc ce sera déjà plus simple. Il y a deux squelettes. Au pire, je t'accompagne comme ça. Je suis preneur. Bonsoir Adrio, je ne sais pas Adrio. Je ne saurais te répondre. Et où ? Là. Ouais. Oh. Attends. Il y a deux biches en chemin, j'essaie de les faire. Ok, ouais, où je suis bientôt à mon cadavre. De toute façon. Le problème, c'est que j'ai plus de bouffe sur moi, c'est ça là qui m'a foutu dans la merde. Où est mon cadavre, bordel ? Il était devant le donjon, mais. Oh, putain, attends. Ah ouais, non, en fait, j'ai encore assez loin. Ok, c'est par là. Fait très très noir là, ouais, j'ai pas de torche, j'ai rien, tu vois. Non, 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 putain, non. Putain, je suis mort. J'espère que ça. Oh, j'allais arriver. Fais gaffe, y'a full truc. Oh, quel enfer. Oh, putain, ouais. Quel enfer d'être mort là-bas avec tous les trophées de serre et tout. J'ai pensé à mettre un marqueur, j'ai anticipé. J'ai mis un marqueur sur ma première mort. J'espère bien que ça reste, par contre, putain. Ah, c'est parce que c'est la nuit qu'il y a plein de mobs qui sont. Ah, c'est l'enfer. Putain, quel enfer. En fait, la stamina bouffait plus parce qu'il y avait une putain de côte ici. Quel putain d'enfer. Bon, attends, je vais essayer de vider un peu les lieux. Je suis à la fois... Ah, y'a fou deux chemins, là. Bonsoir, Mex le Fufu. C'est un survie sandbox à but pur PVE coopératif. On y retourne. Y'a moyen de supprimer un marqueur? Comment on supprime un marqueur, par contre? Tu cliques dessus, cliques droit dessus, normalement. Ah, putain. Merci. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh là là. Oh là là. Et on y retourne. Ah, bordel de cul. Ouais, j'ai bien fait de mettre un marqueur, parce que ça ne vous indique que le dernier corps. J'espère qu'effectivement que le stuff ne les pop pas en mode Dark Souls. Parce que sinon, là, oh, je perds. Il y a des monstres partout. Ah ouais, non, c'est la guerre, hein. En même temps, tu vois, j'ai tellement pas de... J'ai rien, là. J'ai pas de stamina, j'ai pas de vie, je suis la bite à l'air. Mon stuff est à l'autre bout de la map, c'est un enfer. Pire situation possible. Avec quelqu'un qui a laissé les portes ouvertes, là, bravo. Ah, c'est moi, là, pour le coup, désolé. Merci, Flowepoe, pour le follow. Bienvenue à toi. Aïe, 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 aïe. Ok.
Alors, et si tes maîtres sont pas là, tu continues de faire avancer tout le groupe si tu joues tout seul. En fait, tu peux le faire soit un serveur avec des joueurs, soit un serveur solo, Bex. Donc tu peux en fait jouer solo, t'as les boss et tout. T'as tout un tas d'activités, c'est du pur PvE. Donc imagine que t'as les petits donjons cachés, t'as les petits donjons cachés, tu as des invocations de boss, c'est comme ça que tu progresses en fait dans le jeu, tu vas tuer X nombre de boss pour progresser. Tu te fais victimiser, Fain, ou tu dis des conneries hein. Au choix. C'est... Ah, si tu spams, tu vas être reban. Est-ce que le jeu, il coûte 16... Est-ce qu'ils ont augmenté le prix du jeu ou pas, Fain? C'était pas sa question, mais parce que je réponds, j'essaie d'anticiper. Parce que tu as dit mot pour mot, ils ont passé le jeu à 19. À 19. C'était faux, Fain. Ok, j'ai ton dernier trophée. Ah, merci. Faut-il que je récupère encore les trois autres et tout mon stuff, accessoirement? Non, en vrai, je crois que je l'avais vu, 15 balles suisses. Non, 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 non! Putain. Ah, c'est bon. Tu vas pas re-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 
Ok. Attends, je prends le temps de mettre mon stuff. Fais gaffe derrière toi. Oh putain. Attends, là on peut en buter en... Oh. J'en ai buté un. J'ai plus assez de somme. Ok, ok, ça tient, ça tient. Encore du mort. En vrai là, il commence... Il y a plus la brute, hein. Il y a plus que le chaman. Oh, chaman, oh, le chaman il se fait éclater. Allez. Joli. Ok, attends, bah je loot, hein. Vas-y, putain. Tiens, si on pexait, ça serait parfait. Tu en penses d'une certaine quoi façon, tu pexes. Tu me demandes ce que je pense du jeu, ça, exécutionneur. Oui, c'est vrai qu'on monte les compétences, c'est pas faux. Ok, attends, mais tant qu'on est ici. Tiens. De ce qu'il a dit avant. Attends, j'ai pas vu. Ah, je sais pas pour la suite, je pense que les gens vont demander beaucoup de choses et que le dev aura peut-être du... Alors. Ok, ah, j'avais pas vu, autant pour mon exécutionnaire. Ok, ok. Je reviens à la base et on peut faire un petit débrief avec grand plaisir. Parce que j'ai un avis pour le coup là-dessus assez construit déjà. Et je t'en parle avec grand plaisir après. Parce qu'on a, on a des antécédents. En bien. Vous êtes ce type de jeu en fait sur-hypé. Parce qu'il est bien le jeu, mais il est sur-hypé par contre, clairement. Mais il y a les antécédents et il y a des choses à en dire. Mais ça attendra que je rentre à la base. Pourquoi j'ai 4 lingots de cuivre? Je ne sais pas. Mais c'est cool. Ah, c'est peut-être sur les mobs qu'on loot ça. Ah, jour, oui. Le jour est là. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Vous activez le pouvoir d'Ikir. Oui, merci aussi. On court. Ah, montagne. Fuck. Bon, on contourne. Arc, comment t'as essayé? Non, non, je parle des jeux sur IP, easy. Arc, c'est un gros jeu, quand même. C'est quand même un assez gros jeu, maintenant, avec les devs et tout. Et non, je pense à des trucs comme Fall Guys, comme Among Us, où je parle de petits jeux indépendants, on s'en fout du style. C'est pas le style de jeu, c'est ce que je parle de petits jeux indépendants sur IP qui explosent et qui ensuite redescendent. Et il faut faire. Voilà, ce que dit Exécutionneur est très intéressant, il y a des choses à rebondir dessus, mais je suis en train de crever. Donc, j'attends d'arriver à ce putain de camp et on en parle avec grand plaisir. Voilà.